Et salut à Lululu les gens, on se retrouve aujourd'hui pour petite vidéo sur X. Petite vidéo sur X, le deck lapin. Le deck lapin les gars, je vous avais dit que je vous présenterais en vidéo le deck lapin. Pour ceux qui ont regardé le live X sur Eclipsia. Bon bah on va faire le deck lapin, y a pas de soucis. Alors c'est une vidéo là que je vais faire, je vais faire deux vidéos sur ma chaîne minimum sur X. Je sais pas si j'en ferai d'autres, peut-être parce que le jeu est quand même vraiment pas mal. Et puis j'ai reçu quand même pas mal de platinium afin de pouvoir acheter des cartes. Donc c'est pas mal, donc c'est, je vais faire deux vidéos qui sont des vidéos OPSP hein, donc voilà, pour vous présenter un petit peu le jeu, vous montrer... ce qu'il en est, et puis voilà, faire un petit peu un parallèle entre les différents autres jeux de cartes. Je vous mets dans la description le lien pour télécharger le game, et voilà, puis je ferai très certainement gagner un code pour faire gagner des platines sur la deuxième vidéo que je ferai, qui sortira sûrement la semaine prochaine. Alors, on est parti, on va jouer notre deck lapin. Le deck lapin, je vais vous le présenter très rapidement. C'est un deck pour ceux qui aiment bien un petit peu les, qui aimaient bien Magic. Hein, ça ressemble à des decks token de Magic. Donc voilà, mon deck lapin qui est constitué de 60 cartes. Il n'y a pas tant de cartes différentes que ça. Donc voilà, alors le but du deck lapin, c'est de poser plein de petits lapins, de petits chines, allez, comme on les appelle. Et puis de flouder le board, et puis après de tous les booster ou de booster quelques créatures grâce à ça. Donc en gros, on a les tessons qui sont les terrains, les énergies hein, qui vont permettre de poser les cartes. Je vais expliquer ça un petit peu en même temps pour ceux qui connaîtraient pas du tout le jeu pendant que je joue. Ensuite voilà, on a deux tours de commandement qui permettent de booster les créatures. On a les porteurs de sang qui me servent à me soigner quand mes créatures meurent. On a les attaques fatales qui permettent de tuer créatures en face, les troupes ennemies, on a les nichés de Mi-7 qui permettent de faire des petits tokens, le champiwok qui lui mange les tokens pour être énorme et très fort, le rejeton malsain qui lui permet de faire des tokens, on a le commandeur bec de lièvre qui est un booster de tous les tokens, une concubine qui permet de faire des tokens, le sensei Lun Aryu qui permet de piocher, l'assaut qui va permettre de booster toutes vos troupes à un moment donné dans la bataille et de souvent faire l'assaut final. On a le commandeur aux oreilles runiques qui lui booste et est boosté pardon, par le nombre de tokens que vous avez, enfin le nombre de Shin Arrays que vous avez, mais souvent c'est beaucoup de tokens. Les avortons de la portée qui permettent de faire des tokens. Les milices Shin Arrays qui sont des troupes de base, mais qui sont des petites troupes qui sont quand même Shin Arrays, donc qui profitent de tous les bonus. La croissance extrême qui permet de... voilà, de booster une créature lors d'un combat. Vous allez voir comment ça marche si j'en pioche une. On a la lame fatale de l'œil lacté qui lui, en fait, dès qu'il blesse une autre troupe, il one-shot cette troupe. Il la tue forcément, donc c'est vraiment pas mal. Et puis on a l'hérétique pactisan qui est une carte rare, si je ne dis pas de bêtises, qui permet voilà, de récupérer des troupes ou de vous soigner, donc c'est quand même pas mal. Alors on va directement jouer contre un adversaire aléatoire, hein, donc là c'est sur le, on va dire, une partie normale, et on va un petit peu voir ce que donne le deck lapin, comme je l'appelle, qui multiplie les lapins tels les pains dans la Bible, hein, évidemment. Donc, pour ce qui est de X, voilà, si vous n'avez pas vu du tout les lives sur Eclipsia, c'est un jeu de cartes, un TCG, un vrai TCG, puisqu'il y a un hôtel des ventes où vous pouvez échanger vos cartes, les revendre. Si jamais vous avez des cartes qui sont fortes mais que vous ne jouez pas, etc., vous pouvez les revendre aux autres joueurs. Vous avez des tournois en mode draft, donc c'est-à-dire chacun a un nombre de cartes, vous choisissez une carte puis vous passez le paquet à quelqu'un d'autre. Donc voilà, vous avez tout ce genre de trucs qui ressemble un petit peu à Magic. Voilà, je pense que ce jeu ressemble vraiment à Magic dans ses mécanismes et tout. Donc c'est un petit peu plus poussé que tous les autres jeux qu'on peut voir en ce moment. Donc Hearthstone, il y a aussi Duel of Champions qui lui a un système de placement, etc. Mais X, c'est vraiment du Magic-like, donc c'est pas mal pour les nostalgiques de Magic. Vous avez aussi des cartes actions, du coup vous allez voir que vous pouvez jouer pendant le tour de l'adversaire. Par exemple, il fait une attaque, vous décidez de bloquer, mais sa créature est plus forte que la vôtre, et bien hop, vous pouvez sortir une carte de votre main et la jouer instantanément s'il vous reste des tessons, donc des énergies à utiliser. Donc c'est pas mal. Bon, on espère trouver un joueur quand même, ce serait pas mal. Donc voilà, en gros vous avez un système qui permet d'avoir
toujours une réponse peut-être possible si vous gardez de l'énergie des tessons donc disponibles pour le tour de l'adversaire. Donc c'est cette mécanique qui est vraiment, vraiment pas mal. Quoi dire d'autre? Il y a énormément de cartes déjà, il y en a vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Pour les nouveaux joueurs, eh bien vous commencez directement avec un bon paquet de cartes, hein. Vous pouvez quand même faire déjà pas mal de decks. Il y a un mode campagne qui va vous permettre aussi de gagner des cartes. Un mode campagne avec une petite histoire et tout. Vous incarnez un héros, puisqu'en gros vous avez un héros dans le jeu. Donc moi mon héros c'est un lapin archer. Voilà, qui a chacun héros a son propre pouvoir. Et vous allez pouvoir dans la campagne eh bien affronter des monstres, enfin des autres adversaires qui sont PVE. Mais en faisant de l'histoire, vous allez pouvoir récupérer des cartes qui vont étoffer votre deck, etc. Bon, alors là ça bug, je sais pas si ça bug ou pas. On va essayer de recommencer. Bon là après voilà, je fais cette vidéo, il est 13h, hein, il n'y a pas forcément beaucoup de monde. Il y a quand même des personnes, hein, normalement. Il n'y a pas trop de soucis pour trouver des joueurs. Vous avez aussi des modes PvE qui vous permettent de récupérer des gold. Par exemple, l'arène glacée, qui est. Voilà, vous avez un système de tour un petit peu, de survie comme à la Mortal Kombat, un petit peu. C'est plutôt sympa. Donc voilà, on est parti. On va voir directement le jeu. Donc moi, je suis Xari, je suis le petit lapin archer. Et là j'ai gagné le lancer de pièces du départ. Et donc je choisis de piocher en premier. Voilà, je choisis de piocher en premier. Donc voilà, donc là j'ai ma main qui est correcte. Ouais, elle est correcte, elle est correcte. Donc je vais la garder. Donc là au gros début du jeu, je vais enlever le chat. Au début du jeu vous avez la possibilité de soit garder votre main, soit mulligan votre main, comme ce qu'il vient de faire. Donc là ok, donc moi je garde ma main. Si en fait vous si vous faites un mulligan de votre main, vous pouvez pas choisir le nombre de cartes que vous gardez comme dans Hearthstone. C'est genre vous videz toute votre main et vous en récupérez une autre avec une carte en moins. Donc vous pouvez le faire quand vous avez vraiment une main de merde, mais voilà. Alors là je sais pas ce qu'il a fait, j'ai même pas vu. Mais alors c'est quoi? Ok, il pioche une carte. Lui son pouvoir c'est il pioche une carte. Moi mon pouvoir c'est je crée un token. Donc c'est pas mal. Alors là on va mettre un tesson. Alors le tesson c'est les terrains dans Magic, c'est les manas dans Hearthstone. Mais vous êtes obligé de les poser. Une fois que vous l'avez posé, il reste à vie. Donc voilà, donc là, je vais poser cette créature qui est une petite merde, hein, qui ne sert pas à grand chose pour l'instant, mais c'est pas grave. Alors quand je pose un tesson, en gros vous voyez ici en bas que dans mon pool de ressources, ma piscine de ressources, eh bien j'ai un tesson maintenant violet. Donc ça me permet d'invoquer toutes les cartes qui ont un seuil de d'un tesson violet. Donc par exemple cette carte a un seuil de un tesson violet, vous le voyez au-dessus. Vous voyez par exemple ici, là c'est un seuil, un seul tesson violet. Et après au-dessus c'est le coût en ressources, sachant que les ressources se remettent à tous les tours. Donc là par exemple j'ai une ressource sur une. Si je joue un tesson de la nature, je vais avoir deux ressources, les ressources sont là. Et j'ai un seuil vert et un seuil violet. Donc là c'est à dire que là je peux maintenant jouer cette carte là par exemple, qui nécessite un seuil vert et qui coûte un de ressources. Donc là par exemple, bon j'ai un peu mal joué d'ailleurs, mais c'est pas grave. J'ai pas été vraiment dans la curve entre guillemets, puisque il me reste un de ressources qui me sert à rien, alors que j'aurais pu jouer juste cette carte là qui est coûtée 2. Je suis un peu bête, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc à chaque tour vous devez vous poser un tesson. Vous essayez en tout cas de poser un tesson. C'est pas mal de réussir à poser un tesson à chaque tour. Parce que si vous posez un tesson à chaque tour, et bien vous allez remplir plus vite vos ressources et pouvoir jouer des créatures beaucoup plus puissantes. Et aussi à chaque fois que vous jouez une ressource, vous récupérez un point sur votre amplification du héros, donc sur votre pouvoir. Donc là par exemple, moi je vais jouer un tesson de sang. Donc je mets voilà, ma ressource à 3. Et vu que j'ai joué 3 tessons depuis le début de la partie, bah, j'ai 3 points ici. C'est parfait. Mon pouvoir coûte 3 points. Donc mon pouvoir va faire proc un petit token. Donc voilà. Et ensuite je vais poser ça pour piocher. Et voilà, je pioche le commandeur bec de lièvre qui va donner +1/+1 à toutes les autres créatures. Quand je le poserai évidemment. Donc pour l'instant vous voyez que j'ai déjà un board qui est déjà composé de 5 créatures alors qu'on est qu'au 3ème tour. Donc voilà, c'est le but un petit peu de mon deck lapin, hein, il se multiplie la lapin. Donc voilà, alors je vais vous montrer vite fait la carte là, le Champiwok, qui est une carte qui en gros à chaque fois vous mangez
Vous pouvez manger un lapin, un Shin Hari, et il gagne plus 3 pour chaque, chaque token en gros que vous mangez. Donc c'est pas mal. Alors par contre, j'arrive pas à voir ce qu'il joue. Il joue des cartes assez bizarres. Pour l'instant, il a rien fait, donc on va voir. Alors là, par exemple, j'ai besoin de deux seuils verts pour pouvoir jouer. Et là, j'en ai qu'un seul. Vous voyez que j'en ai qu'un seul ici. Donc bah là, du coup, je joue un vert pour pouvoir en avoir deux. Et j'ai 4 ressources. Elle coûte 3, donc c'est parfait. Hop. Et là, je donne plus 1 à tous mes autres Shin Hari. Donc là, mon deck token commence à faire mal. Et là, il va falloir qu'il fasse quelque chose, sinon je vais lui rouler dessus. Et ça va être assez terrible pour lui. Donc là, il a 5. Par exemple, il a 6 sur son pouvoir. Il pourrait l'utiliser pour piocher une carte. Alors, coup d'œil. Regardez autant de premières cartes de votre deck que vous avez de tesson bleu. Placez-en une dans votre main. Ah, d'accord. Donc là, il a un tesson bleu. Ah, en fait, il avait pas de tesson, c'est pour ça qu'il pouvait pas jouer. Et oui, ça c'est terrible quand vous n'avez pas de quoi poser les créatures. Donc là, il regarde une carte et il a le droit de la mettre dans sa main. C'est pas ouf, hein. Donc là, j'exécute. Ça veut dire que je valide le fait qu'il utilise sa carte. Et là, bah là, malheureusement, ça va être un no match. Donc on va refaire sûrement un match après, hein. Parce que là, le pauvre, il a pas reçu de tesson et tout. Il était pas très bien parce que là, j'ai gagné au prochain tour, en fait, je crois. Ah, boucanier. Quand cette carte entre en jeu, vous pouvez placer une troupe au choix dans la main de son propriétaire. Ah merde. Donc là, il va sûrement renvoyer ça. Et elle va... Et voilà. Ah, puis il m'a renvoyé une carte dans ma main. Et le commandeur Bec de Lièvre qui rentre dans ma main, c'est un peu la déception pour moi. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc là, je vais rejouer un tesson, évidemment. Toujours jouer des tessons. Alors, je pourrais jouer ça. Je pourrais jouer ça, mais je vais rejouer le commandeur Bec de Lièvre. C'est plus intéressant ici pour mon attaque. Alors maintenant on va voir un système de... Alors je vais attaquer avec tout pour qu'il bloque. Vous allez voir, en gros j'attaque forcément le champion adverse, le héros adverse. Et après seulement, après une fois que j'ai dit j'attaque avec telle ou telle créature, et eh bien l'adversaire choisit de défendre ou pas. Donc là par exemple il choisit de défendre une 1-2, ce qui est normal. Donc à savoir que là en gros, bah dans l'attaque, moi les quatre autres créatures vont attaquer le champion. Et puis cette créature là va se faire bloquer. Donc elle va infliger un point de dégâts au boucanier, mais le boucanier va infliger 2 points de dégâts. Donc ma créature va mourir et la sienne ne va pas mourir. Elle va être à 2-1 jusqu'à la fin du tour. Et à la fin du tour elle va se régénérer full. Regardez, hop, elle est à 2-1. Si je fais fin du tour, elle se régénère. Donc c'est à dire que ça c'est très important, c'est une mécanique très importante. Si vous avez une carte qui est genre 2-8, elle va pouvoir bloquer une créature qui a 6-6 et se régénérer juste après. Donc c'est vraiment pas mal. Alors, il refait un coup d'œil pour récupérer une carte. En fait, il a augmenté son pool de ressources. Je sais pas trop, je connais pas trop ce deck. Je sais pas comment il a fait, mais en gros il a 9 de ressources alors que moi j'en ai que 5. Mais il a pas de tesson en fait. Donc voilà, alors elle a vol et tout, ok. On exécute sa créature, c'est pas très grave. Là il a plus que 6 points de vie, donc il est quand même techniquement pas bien. Ah bah il a abandonné. Bon, il a abandonné. Bon, on va refaire une partie hein les gars, parce que là il a abandonné comme une petite merde. Bon, il savait qu'il avait perdu en fait. Donc voilà. Alors vous avez eu un petit peu le principe de mon deck. Des fois ça passe bien, là c'est bien passé. On a réussi à faire plein de petits lapins. Et puis des fois ça passe pas bien, les gens à des AOE et tout. Donc c'est un deck très archétype, mais très sensible aux AOE, hein. Donc voilà, faut faire un peu attention. Donc voilà, je vous présente là rapidement le jeu. Et puis dans la deuxième vidéo, en fait je vais voir un petit peu selon les commentaires que vous faites, si vous voulez voir un truc spécial sur ce jeu pour la vidéo de la semaine prochaine, où je ferai gagner aussi un code pour gagner des gold en gros dans le jeu. Enfin pas des gold, des platinium. Donc l'argent, le vrai argent entre guillemets, un petit peu comme les RP dans LOL, hein. Alors moi je pioche toujours en premier, donc ça permet d'avoir un peu plus de... Donc là par exemple, j'ai une main avec très peu de tessons, mais en même temps j'ai des bonnes cartes avec. Donc je me dis, je vais garder ma main et je vais espérer piocher des tessons. Parce que sinon je suis pas très bien. Donc là on est contre un champion par exemple qui n'a que 17 points de vie. Donc c'est pas beaucoup, pas beaucoup de points de vie, mais ça veut dire que... Et son pouvoir c'est... Je reçois... Ah, tu reçois une... D'accord, tu reçois une ressource apparemment, si je ne dis pas de bêtises.
crois que c'est ça, mais je suis pas sûr à 100%. Donc, je connais pas encore tous les trucs hein, par cœur. Donc voilà. Donc là, j'ai un peu all-in. Et finalement, j'ai bien fait, entre guillemets, puisque j'ai réussi à récupérer des tessons, ce qu'il me faut. Et donc là, on va pouvoir commencer à jouer un petit peu. Donc là, j'invoque une créature qui est une troupe qui est un peu nulle, mais en fait qui permet de faire des tokens. En gros, c'est une créature qui a 1-1, c'est une troupe 1-1, mais si elle meurt, elle invoque deux petits tokens. Donc c'est parfait pour moi. On a la concubine aussi dans notre main qui va permettre de faire plein de tokens. Vous allez voir après, normalement, si normalement j'ai le temps de développer mon jeu. On va voir un petit peu. Donc là, c'est parfait. C'est à lui de jouer. Il a maintenant 3, donc il va sûrement jouer une carte là au bout d'un moment. Voilà. Alors, le Periwinkle, quand vous jouez une carte d'un coup au moins 5, raison une copie. Ah oui, c'est assez fort. Bon, c'est une 1-2, mais c'est quand même assez fort. Donc on va un petit peu voir comment ça se passe. Donc là, on rejoue un tesson. Donc on va faire un token ici. On va jouer la concubine. Voilà. Et on va attaquer avec la nichée de Mistset. Parce qu'en gros, là, s'il la bloque, bah ça va faire 2 tokens. C'est bien pour moi. Il la bloque pas, donc du coup... Je crois pas qu'il la bloque. Non, il la bloque pas, du coup elle fait un dégât, c'est déjà ça. J'aurais pu la garder aussi pour bloquer son attaque, mais bon, je me suis dit, ça se trouve, il va pas lire la carte et il va me la bloquer, et du coup ça va être parfait. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc là, il va très sûrement attaquer, je vais le laisser attaquer, je m'en fiche un peu. Non, il attaque pas. Ok. On joue toujours des tessons, hein, toujours, tout le temps. Alors là, en gros, je peux utiliser un de ressources pour. Je peux pas utiliser le commandeur de Bagdolias parce que malheureusement il me faut 2 verres et j'en ai qu'un seul, vous voyez. Donc là j'ai 4 ressources, donc je peux soit jouer ça et ça, soit faire un token en plus. Donc là j'hésite, et jouer par exemple une tour de commandement. Donc là j'hésite un petit peu. Je pense que je vais faire un token en plus. Voilà, donc là j'engage ce token et ça en crée un autre. Donc c'est vraiment fort, c'est à dire qu'à chaque tour je peux faire une petite créature en plus. Donc c'est vraiment pas mal. Alors là, le seul problème, c'est qu'il risque de jouer justement une créature à 5 et en faire une copie au prochain tour. Et ça, ça ne me plaît pas. Avec sa compétence spéciale. Donc là, c'est... Voilà, on n'a pas payé pour ça. Donc là, il est en train de lire ma carte pour voir ce qu'elle fait. Quand c'est comme ça, c'est à lui de jouer, là. Vous voyez, le temps est ici. C'est à lui de jouer, donc on attend. Donc voilà, maintenant, il a fait ça. Ensuite, je joue la tour. Donc là, pareil, il doit lire la carte. Ça me donne 1 d'attaque partout. Je passe cette phase... J'attaque, évidemment. Ah, non, je ne pourrais pas attaquer avec celle-là puisque je viens de l'invoquer. Évidemment, il va pas bloquer parce que lui, c'est pas du tout son but d'attaquer avec ça. Lui, il veut juste copier une créature qui coûte 5 grâce à son pouvoir. Donc là, voilà, il va en invoquer une et il va la copier. Ça va être assez terrible pour moi parce que ça veut dire que. Alors, bouclier anti-sort. Dévoilez 5 premières cartes de votre deck. Créez une copie des troupes dévoilées. Oh là là. Donc là il en a 2 en plus. Donc là en gros il a le droit de regarder alors qu'est-ce qu'il a? Ouais, il a plein wow. En gros lui il a des énormes monstres. En plus il a une légendaire là. Légendaire c'est rouge. Ça risque de mal se passer pour moi hein. Bon après le seul truc qui est bien c'est que il y a peu de points de vie. Donc peut-être que je peux le surprendre sur un move. Alors là il doit choisir en gros. Il est en train de choisir une troupe en fait. Ah mais ça lui fait rejoindre le jeu carrément. Oh là là, ça veut dire que oh c'est trop fort. C'est trop fort, ça veut dire qu'il va faire rejoindre deux créatures qui coûtent qui peuvent coûter plus que 5. Ah ouais, c'est vraiment trop fort. Je pense que j'ai perdu hein, cette game. Il a fait la bonne sortie. J'ai pas réussi à tuer sa Periwinkle. En fait, le problème c'est que si le monstre en face n'attaque, enfin la troupe n'attaque pas, eh bien c'est très difficile de la tuer. Sauf si vous avez, c'est pour ça que moi j'ai une carte qui permet de tuer ce genre de créature. Malheureusement, je l'avais pas dans ma main. Donc là je suis pas bien. Bon, là il est un peu long hein, quand même, parce qu'il a pas non plus un milliard de créatures. Mais voilà. Donc je vais essayer peut-être de tenter l'impossible en créant plein de tokens et en les boostant, après. Peut-être avec le commandeur Bec de Lièvre. On va voir si ça passe, mais il faudrait d'abord qu'il choisisse une créature, c'est un petit peu chiant. Donc bref, dites-moi en tout cas en commentaire ce que vous voulez voir sur le jeu, si vous voulez voir peut-être un mode tournoi, si vous voulez voir peut-être, je sais pas, enfin dites-moi ce que vous avez envie de voir, est-ce que le jeu vous intéresse un petit peu. Voilà, c'est un petit peu plus complexe que Hearthstone, mais en vrai pour tous les anciens joueurs de cartes, que ce soit Magic, que ce soit même Yu-Gi-Oh, c'est plus...
c'est plus complexe, ça ressemble plus à ce genre de jeu de cartes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller check. Ah, d'accord, en fait, dans le... D'accord, donc là, mon adversaire est malheureusement parti, hein, donc... Ah, il est là. Apparemment, il bug un peu. Bon, on va attendre deux minutes, on va dire, puis après, on abandonnera au pire si jamais ça prend trop de temps. Ça, c'est pas le but de la vidéo, on s'en fiche de gagner en partie normale, hein. Mais voilà. Donc, ah, c'est bon, il joue. Donc, c'est-à-dire, il a choisi Zakir, vol, bouclier anti-sort. Ok, donc c'est pas fort en tout cas. Donc un vol, ça veut dire que je peux pas la bloquer. Ça veut dire que je peux pas la bloquer sauf si j'ai une créature avec vol. Et anti-sort, c'est à dire que je peux pas la tuer avec un sort. Donc déjà je suis au fond du gouffre, hein. Par contre il va falloir... Mince. Oui bah c'est bon, donc il va le refaire. Voilà, c'est trop fort, hein. C'est vraiment trop fort son combo là. C'est vraiment trop fort. Et du coup il a un autre... D'accord, bon bah j'ai perdu hein les gars. J'ai perdu hein, alors voilà, hein, juste pour que je vous explique ce qu'il fait. En gros, cette carte, si je la tue pas, eh bien elle empêche tous les dégâts. Bah ouais, mais c'est une légendaire quoi. Pff. Mec, il a une légendaire là et une légendaire là. Il a deux légendaires, tout simplement. En gros, ça empêche tous les dégâts que je lui fais. Enfin, en gros, il prévient tous les dégâts. Sauf que je peux pas la tuer parce qu'il y a un bouclier anti-sort et qu'elle a vol, donc je peux pas la bloquer. Bref, j'ai perdu. GG Albi. Il m'a roulé dessus. Là-dessus, bon, il avait des cartes qui étaient pas du même level que moi. Hein. C'est-à-dire que moi j'ai des cartes normales de base. Lui, il avait des cartes légendaires. Bref, bon, je pense que vous avez à peu près compris le principe du jeu. Voilà, c'était plus une vidéo de présentation, celle-là. La deuxième vidéo viendra la semaine prochaine. Je vais voir un petit peu ce que je vais proposer en fonction des commentaires, si le jeu vous intéresse un minimum ou pas. Voilà, il y a pas mal de trucs à faire sur ce jeu. Il est vraiment très complet. Il y a un peu plus de mécanique que les autres jeux de cartes. Donc je pense que c'est pour ceux qui aiment bien les jeux de cartes, ça vaut plutôt le coup. Après, moi je sais pas trop, j'y joue des fois, hein, j'avoue que j'y joue des fois quand j'ai rien à faire, je me dis tiens, je lance une petite partie, mais c'est pas non plus le jeu sur lequel je reste des millénaires, parce que je n'ai pas le temps en fait, hein, tout simplement, je peux pas malheureusement jouer à tous les jeux, c'est-à-dire que je peux pas jouer à Hearthstone, plus à machin, plus à LOL, plus à X, etc. Mais pour ceux qui aiment vraiment bien les jeux de cartes, je pense que ça vaut le détour. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi ce que vous voulez voir peut-être pour la prochaine vidéo, si vous voulez voir un autre deck, si vous voulez voir peut-être un opening de cartes ou j'en sais rien, dites-moi. Et voilà, je vous mets encore le lien, c'est en dessous pour télécharger le jeu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et peut-être pour d'autres vidéos si ça vous plaît et que vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur X. Moi ça me dérange absolument pas. Voilà, tard plus, bisous et à la prochaine. À la prochaine évidemment.